Bonjour à toutes et à tous, c'est Ocario, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Granblue Fantasy Versus. On est là sur la bêta du jeu, j'ai eu l'occasion d'y jouer quelques petites heures là pendant le week-end. C'était une bêta fermée, donc il n'y avait pas tellement de monde qui a eu l'occasion d'y jouer. Je vais vous en parler donc plus en détail, mais plutôt à la fin de la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite dizaine de minutes, je pense, d'extraits de gameplay que j'ai capturé, histoire que vous voyez un peu à quoi ressemble le jeu. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un versus fighting, donc c'est un jeu de combat, comme on a pu voir en fait avec Dragon Ball FighterZ. C'est d'ailleurs développé par les mêmes personnes, à savoir les petits gars de chez Arc System Works. Donc voilà, je vais vous laisser avec le gameplay que j'ai enregistré. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler un peu de mes impressions globales et de ce que j'ai pu tirer de la bêta, tout simplement. À tout à l'heure. Believe in victory. Battle 1. Engage. Wow, la vue. Oh, oula, il fait de la capoeira, Gran. Allez. J'ai mis du bon côté là, par contre. Putain, j'étais piétiné. J'ai fait quoi? Je sais pas, ça fait une petite emote. Oh non, j'ai perdu ma garde. Chocolat. Merde. Non. Allez. Non. Stop. Non. Quel bâtard. Oui. J'ai pas réussi à faire la méga grosse. Ah, trop bizarre. T'as un nom pour tous ces trucs. Ah, ça fait trop bizarre. Believe in victory. Battle 1. Engage. J'adore Gran. Wow. Oula. Non mais le mec croyais... il vit du mauvais côté. Quand j'ai vu l'animation, j'ai cru que j'avais pris un coup, mais en fait non, elle s'était penchée à 1000 km en arrière là. Oula. Ah, t'as appelé Gigi. Ouais, Gigi, il est parti un peu trop loin. J'ai même pas fait exprès. Bah, j'ai même pas fait double C. Ouah, mais... Ouah, merde. Non, on fait pas des emotes, mais quel mongolo. Oh, bien joué. Oh. Oh, tu t'es pris BP, je sais plus quoi, JP Pizza. On va en attaque montée. Ah, j'appuie sur la mauvaise touche pour me mettre en garde.
Merde, 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 merde. Bouge-toi. Ça spam pour sortir. Oh. C'était tendu. C'était passé quoi là? Merde. Wow. Putain, j'ai pas le temps d'ajuster ma garde tellement ton perso va vite. Oh, bien joué. Ah, dommage. Bien joué. Là, je suis trop dégoûté pour l'attaque. Catalina qui souffre aussi. Putain, il est nerveux le combat avec ces deux-ci, bordel. Ah putain, ça t'a laissé un PV quoi. Believe in victory. Battle 1. Engage. Ça, c'est dégueulasse de passer derrière comme ça. Oh! C'était quoi ça? Non, pas du tout. Putain. Merde. Merde, non. Qui a gagné? J'étais pas sûr. Engage.
Je pensais qu'il fallait juste taper dessus. Je sais pas pourquoi Charlotte était là en anglais du coup. À mon avis, c'est parce qu'avec Charlotte, tu faisais croix et elle met un bouclier en fait. Alors j'avais ma garde hein, là. Non, mais là aussi. Waouh, comment tu m'as interrompu? Merde, c'est pas ça que je voulais faire. je dois faire ça. Ah voilà. Non mais qui sait. Pouah. Eh bien, comme promis, je vais vous parler de mon ressenti sur le jeu. Je vais peut-être avant ça, tout de même, donner peut-être quelques précisions sur ce qui se passe à l'écran, notamment au niveau de l'ATH, parce que c'est pas nécessairement limpide pour tout le monde. Comme vous le voyez, donc on a le chrono au milieu classique, les barres de vie. En dessous, les jauges d'attaque spéciales, en gros, qui se remplissent. Elles se remplissent à la fois quand on attaque, quand on subit des dégâts, mais aussi quand on avance vers l'adversaire, en fait. Ça se voit sur les extraits que je vous ai mis en fond là. D'ailleurs, faites pas attention au niveau de skill exécrable. C'était un de mes tout premiers matchs. Je vous le mets juste en fond, histoire qu'il y ait quelque chose. Mais c'est vraiment pas plus intéressant que ça à regarder, pardon. À côté de la jauge de super, donc, on peut voir 4 carrés. Ça représente les skills, en fait. Ça va être toutes nos attaques un peu plus puissantes, on va dire. Et chaque perso donc, a les siennes. Elles peuvent se lancer de deux façons différentes, et ça c'est plutôt sympa. Vous avez un mode de lancer qui est on va dire plus casual entre guillemets, parce que ça permet de les lancer en fait en utilisant juste la touche R1 et une direction, et c'est très pratique en fait quand vous n'avez pas l'habitude de ce genre de jeu, pour pas avoir à commencer à rentrer des commandes compliquées à base de quart de cercle, etc. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet vraiment d'avoir, comment dire, que les gens en fait qui n'ont vraiment pas l'habitude se lancent directement dans les combats et arrivent à faire des trucs sympathiques. Et donc la deuxième façon de les lancer, là c'est par contre en utilisant les combinaisons de touches, donc quart de cercle, plus carré, etc. On pourrait se demander si du coup c'est pertinent d'avoir deux façons de faire, mais en fait oui, parce que de ce que j'ai compris, quand vous faites les skills avec les combinaisons de touches plus compliquées, donc pas avec R1, ils se rechargent plus vite, parce que si vous regardez bien, en fait quand on en utilise un, il y a une recharge qui se lance, un cooldown, et il se rechargera bien plus rapidement avec la combinaison de touches. Alors à bas niveau, c'est pas décisif sur une victoire, mais à haut niveau, je pense que ça peut faire la différence en fait, d'avoir une ou deux secondes de moins à attendre avant de pouvoir relancer une attaque plus puissante ou par exemple un contre. Donc voilà, pour la TH, c'est la seule chose vraiment particulière à retenir. En termes de ressenti global sur le jeu, le premier truc qui se remarque, c'est que c'est très accessible. Hein. Encore une fois, j'en reviens au skill, mais le fait de pouvoir les lancer facilement avec la touche R1, ça le rend vraiment, vraiment facile à prendre en main. On peut directement prendre du plaisir et sortir des attaques plus poussées. Donc ça, c'est sûr que je pense qu'au niveau de l'accessibilité, le pari est réussi.
Donc ça, c'est plutôt un bon point. Maintenant, à voir si sur le long terme, le jeu sera vraiment technique ou pas. Enfin, en fait, les possibilités sont là, mais je sais pas si c'est suffisamment profond, avec les quelques heures que j'ai passées sur le jeu, pour pouvoir tenir les gros joueurs sur le long terme. Parce qu'il faut dire que le rythme du jeu est finalement peut-être un peu moins nerveux que les autres jeux du genre. Et en termes de possibilités de combo, bon, encore une fois, c'est une bêta, je sais pas s'il y a tout. Et puis en plus, il n'y avait pas de mode entraînement, donc on n'a pas pu tester tout ce qu'on voulait. Mais c'est vrai qu'en termes de combo, ça a l'air relativement limité, sans être non plus insuffisant. Donc ça faudra voir sur le long terme, mais avec l'ajout de personnages dans le roster. Là, dans la bêta, on avait accès à, je crois, 5 personnages, si je ne dis pas de bêtises, 5 ou 6. Je les ai tous essayés. Globalement, ils sont assez différents les uns des autres. L'équilibrage était correct, même si Charlotta, donc le petit personnage que vous avez vu dans les extraits là en fond, me semblait un peu en retrait, parce qu'en fait, il y a pas mal de persos qui ont des attaques à distance, mais elle pas, et ça peut rendre certains combats assez difficiles. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans des situations en fait où j'arrivais plus du tout à approcher certains joueurs, parce qu'ils se rendaient compte que j'avais pas la portée et pas la possibilité de contrer le spam à distance, quoi. Donc ça, c'est peut-être des trucs qu'il faudra revoir pour le jeu complet. Sinon, que dire, graphiquement c'est au top. Je le trouve même encore plus beau que Dragon Ball FighterZ, donc j'ai l'impression qu'ils s'améliorent de plus en plus sur la façon dont ils gèrent leur moteur. C'est vraiment magnifique, c'est fluide. Je pense que dans les extraits de gameplay, on peut voir parfois des micro-coupures, enfin des micro-freezes, ou en tout cas des baisses de framerate. C'est pas vraiment ça, je pense que ça venait plus en fait de problèmes réseau. Parce que globalement, même si ça restait stable, il y a quand même eu quelques petits soucis de déconnexion et tout ça, rien de très grave, cela dit. Donc je pense que les freezes que vous avez vus pendant les combats, ça venait plutôt de là, plus que de l'optimisation du jeu en lui-même. En parlant du coup du online, comme j'ai dit, c'était plutôt stable. En tout cas, tant que vous jouez avec des gens de votre région. Donc comment ça se passe quand vous lancez un match? Là, on avait l'accès à un lobby. Il me semble que c'était pareil sur Dragon Ball. Vous avez un lobby avec un petit avatar, vous vous posez à une borne d'arcade pour choisir un adversaire et le combat se lance. Sur la bêta, il y avait parfois des petits décalages et parfois il fallait relancer plusieurs fois avant que le combat se lance. On va dire que ça vient de la bêta, on verra bien dans le jeu complet. Mais donc oui, ce que je voulais dire, c'est que tant que vous jouez avec des gens de votre région, il n'y a pas de souci. Mais j'ai essayé en rejoignant d'autres lobbies. Et quand on est avec des personnes qui viennent d'endroits plus éloignés, le jeu a visiblement un peu de délai. Donc ça, faudra voir encore une fois comment ils gèrent leur netcode dans le jeu complet. C'est trop tôt pour le dire. En termes de bande son, c'est super cool. J'ai cru reconnaître quelques musiques du jeu mobile, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Grand Blue, c'est avant tout un jeu mobile. Donc là, on est plus face à un spin-off en fait. Sinon, oui, ben, moi, mon ressenti est plutôt, enfin même très positif. Vraiment, comme je vous dis, la seule chose sur laquelle on peut y mettre en doute, c'est est-ce que ça tiendra sur le long terme. Ben, ça dépendra en fait de l'équilibrage, de la taille du roster, et puis ben, des mises à jour qui arriveront par la suite. Mais en tout cas, si vous avez jamais joué à un jeu du style, je pense que c'est parfait pour commencer. Parce que vraiment, encore une fois, c'est vraiment super accessible, quoi. Vous lancez une partie, enfin, là dans la bêta, on n'avait pas de tuto ou quoi que ce soit. Et pourtant, directement, en lançant un match, c'est intuitif, quoi. Même sur les skills, t'as à chaque fois la direction dans laquelle tu dois mettre ton stick ou le D-pad pour lancer telle compétence. Donc, c'est ultra intuitif, quoi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur le jeu? Je ne pense pas. On sait, pour ceux qui s'intéressent, qu'il y aura un mode histoire, un vrai mode histoire, donc ça c'est plutôt sympathique. Pour le roster, je sais pas combien de persos on a d'annoncé pour l'instant, mais je sais qu'ils y étaient pas tous dans la bêta. Mais j'espère quelque chose de conséquent à ce niveau-là.
Et sinon, preuve aussi que le jeu m'a bien saucé, c'est que quand la bêta s'est terminée, j'avais qu'une envie, c'était relancer le jeu. Je me disais, mince, j'ai envie d'y rejouer, mais c'est déjà fini. Donc j'espère une bêta ouverte, ça pourrait être sympa. Puis pour que tout le monde ait l'occasion de se faire un avis. Et voilà, j'espère que le jeu sera bon. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre quelques petits trucs, que le gameplay n'était pas trop désagréable à regarder malgré mon niveau. Et voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, je vous dis à la prochaine, bisous tout le monde.